Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde y va bien. J'ai dû régler la caméra parce qu'elle était encore buggée, je ne sais pas pourquoi. Bon, le plus important, c'est que ça soit réparé et que ça fonctionne. Ici, on a une chatte qui dort. La petite Ecstasy qui a décidé de dormir. Une petite boule, une petite brioche. N'est-elle pas magnifique? Je vais lancer le Guess the Game et rejoindre Harper en vocal. Bonsoir Harper. Yo. Yo, comment il va? Top, je viens de botter le cul des Anglois. Les Anglois abominatifs. J'ai enfin craqué pour Company of Fire. J'en ai rien à foutre des trucs de foot là pendant. Je vais pas continuer. Là sur Age of Empire, en fait, quand j'étais petit, je le jouais au premier ou au deuxième. Ouais. Et je savais pas que c'était ça le nom du jeu, donc j'ai pris le 4 parce que ça avait l'air de m'intéresser. Enfin, ça avait l'air sympa et je l'ai pris. Et je regrette pas. Je joue full royaume français. Et salut les Loupi. Trébuchets, c'est cool. Voilà, moi j'ai qu'une seule chose à dire, les Trébuchets, c'est cool. J'attends Age of Mythology, le remake. Oh putain, oui. Bien. On est sur Guess the Game. Dans ce style, il y avait sur DS. Il n'y a pas eu un Age of Empire sur DS. Age of Empire, il a été sur tellement de choses. J'avais Age of Empire 2 sur mobile. Mais genre les vieux jeux mobiles de merde qui ont de la licence que de nom. Pour ce qui est du 15 000 cailloux. Pour ce qui est du Guess the Game, je pense que c'est... Les oublier, c'est bientôt, je pense. Là, je pense qu'on est sur du Big Bitcoin. J'ai 11 000 cailloux à... Ouais, c'est ça, c'est du Pikmin, Pikmin 2. J'ai fait la session solo tout à l'heure de Levin. Il me reste plus que Crazy et Arikia à faire leur session solo. Et ensuite, je vais pouvoir commencer les premières séries. C'est moi qui ai dû mal lire, mais... Ok, non, putain, c'est jeudi. En fait, j'ai mal lu. En fait, j'ai compris qu'Arika a demandé pour ce soir parce que t'étais pas dispo dans jeudi après-midi. En fait, non, c'est l'inverse. Bon, j'ai changé de navigateur, donc du coup, je n'ai plus les erreurs des autres jeux, donc faudra les redeviner. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Taïwan le retour. Taïwan le retour. C'est jeune et pollué. Ah putain. Putain, c'est trop vrai bien, que Edge of, ça pue le vieux. Ouais. Je pense qu'elle voulait dire du jeu d'avant. Pikmin. Oui. Ce soir, ça tabasse ou ça parle? Ce soir, c'est roue libre. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, dans ce qu'on a à faire encore, il faut qu'on livre Tolivar, non pas Tolivar, si. Ouais, c'est, Macias. Oui, Macias. Il faut qu'on livre Macias à son père. Avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir gruger un peu pour qu'il annule nos primes ou qu'il les réduise. Et il faut aussi retrouver la mère de Nakan qui doit être en train de foutre un spell pas possible au milieu de l'océan. Parce que... au secours. Et puis derrière, y a juste, pour bien clôturer l'arc de Nakai, faire le... Comment ? Qu'il fasse la reine à nouveau. Bon, on verra ça hors champ pour la reine, je pense. Parce que j'admets que je suis en totale roue libre sur la fin. Bon, c'est quoi ce jeu de ses morts encore? 90% sur Metacritic. Je vais pas te mentir, j'ai pas du tout regardé. C'est pas un Tomb Raider par hasard? Un quoi?
Un Tomb Paraît bizarre avec ces couleurs-là. Je veux bien tenter, mais j'y crois moyen. Qu'est-ce que c'est que ça? PS2. Oh, ce serait pas un. C'est un Persona. Persona, ça? Ouais. Sur PlayStation? PS2, lequel? Pourquoi le nom complet de Persona? Parce que j'ai jamais vraiment joué. C'est pas Shinigami, un truc du genre? Si, tiens, Shin Megami Tensei, là, c'est pas ça par hasard? Oh putain, 4 sur PS2, oh, je pensais pas. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais, Je croyais que c'était que ouais, sur c'est. Nintendo. Bah, ah non, non, Persona, il y a sur PC déjà. Et, si, il y en a eu deux, je crois, sur PS. Qu'est-ce que c'est que ça? Le. Le Green Klux Klan, ouais. Oh la vache. Putain, on dirait Red Dead 1 au secours. On dirait le Q-Q-Q-Slan de Red Dead 2, mais avec les graphismes de Red Dead 1. Ouais, plus beau, moins beau quand même que Red Dead 1. Je sais pas, moi. Vas-y, je passe à l'image d'après. Quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Too old? Mais c'est creepy Attends. as fuck. C'est pas. Attends. C'est pas une, un des trucs de cinématique d'un de The Elder Scrolls? Pas une cinématique d'Elder Scroll? Je crois que non. Y a pas un truc où il y a ça dans The Elder Scrolls? Mais alors lequel, je sais pas, Bah mais. très certainement le 2. Daggerfall, je crois, ouais. Mais sérieux? Mais ça serait. Mais wesh. C'est ça, Daggerfall, ça a été mon premier jeu, ça a été mon premier Elder Scrolls. Hein. Et ce visage m'a marqué, mais alors, vraiment, mais il a dû faire quoi? Je dois avoir une heure de jeu, tu as tout cassé. Ah putain. Mais ouais, c'est creepy as fuck. Et ça, en fait, ça me dit quelque chose, mais je me demande, c'est pas un des trucs de Game Over. Au vu On de a la des tête. flèches Oh, et c'est des hors flèches, champ, on ça. a des œils, on a un œil. Ah, attends, c'est pas. Avec un œil comme ça va paraître giga raciste. C'est pas Ghost of Tsushima? Comment? Ghost of Tsushima? C'est pas celle Ghost. qui nous accompagne justement là, bah, ce qui finit, je crois, à être la femme de Jin. De Non, Jin c'est pas vivant ça. dehors. Ah, ouais, j'y ai cru. Wow, avec écrit ça comme ça, au secours. Pisse. Ça sent le jeu PC déjà. On a le curseur. 95, 85% sur Metacritic. Il va quand même pas nous remettre un autre Elder Scroll. Enfin, cela dit, non. Vas-y, tu sais quoi? Dans le doute, j'essaye quand même. Ouais, non. PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X. Enfin, Xbox Ah, le truc Series. a l'air récent. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là. Genre Mystery Adventure RPG. Alors là, aucune fichue idée. Allez hop. Il y a un flamme maintenant, au secours. Vas-y, je tape Mystery, on verra bien ce qu'il propose. Tiens, je vais prendre celui-là. En 2021? Oh, attends. Non.
À un moment, j'ai cru que ça me disait quelque chose, mais en fait, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, je pense. Tu penses à un Tomb Raider? Non, un Oh, je Tomb pense pas, non, Raider, non. Le plus mignon, c'est pas Tomb Raider. c'est. Ouais. J'ai presque envie de dire dans le doute. J'explose de rire parce que sur un serveur, il y a quelqu'un qui a lancé comme débat pour ou contre la peine de mort et ils sont tous en train de s'engueuler en mode c'est bien, c'est pas bien, c'est de la merde, machin. Moi, je suis juste arrivé pour. Parce qu'un mec qui bute des enfants mérite seulement la mort. Et il y en a, il m'a dit, ouais, mais ça, c'est une idéologie de droite. Je renchéris avec un peloton d'exécution. Ça coûte moins cher en électricité. Je veux pas partir sur le débat Oui, non, mais en stream moi je suis. personnellement. Non, je dis pour, mais c'est surtout pour Trigger parce qu'ils étaient tellement à fond. Où je m'en bats les couilles en fait. Hein. La justice, c'est ce qu'elle a à faire. À l'heure actuelle, c'est illégal en France, donc voilà, ils vont pas en parler. Les voir tous se taper dessus avec des arguments ultra construits et moi juste poser une phrase Ouais, t'es juste un où je troll, voyais quoi. déjà. C'est ça, j'ai complètement. Tu sais, j'étais en train de flex derrière mon écran comme mon mec dans Helldivers. Bon, ça a l'air de se passer en Grèce, tout ça. Attends, en Grèce, un flingue, first person. Assassin's Creed 2013. Non, c'est pas ça. En 2013, c'est en Italie. C'est pas en... Ah non, c'est 2010, pardon, la crise économique en Grèce. C'est surtout pour ça. Ce mec, il en a marre, il décide de tout voler. Aucune fiche vidéo. Modern Storyteller, bah écoute, je l'aurais pas. Forgotten City. Mais pas. Moi non plus. Ah! 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 J'ai! Attends, je vois Attends. pas. Je l'ai. On l'a eu, je crois, la dernière fois. Ouais. C'était un jeu de cartes. C'était soit Hearthstone. Oui, Je c'est moi crois qui que. l'ai trouvé. Soit celui de League of Legends, comment il s'appelait déjà? Legend of Runeterra, non. Comment j'ai pris. Oh non, c'était merde. Putain. C'est Artifact. Ouais. Bingo. Je me serais trompé du coup. Ouais, Artifact. Je connaissais pas Artifact. Je pense que c'est. Si je me souviens bien, je crois que c'est celui de Dota. Ah, je crois que tu me l'avais dit, ouais, la dernière fois. Exact. Justement, après, on avait parlé des jeux. Des jeux de cartes, de trucs. Ça me parle. Dire la carte d'un jeu déjà. Oh lolo. Ouais, ça me fait vachement penser à quelque chose par contre. Pas... Par hasard, c'est pas genre un Age of Empires 1 justement. Wake the Dead, Soul Swap, Death Gaze. Qu'est-ce que c'est que ça? T'avais proposé quoi? Age of Empires 1, mais ça doit pas être ça. Mais non. PSP et DS. Mission druide. À quel moment Richard aussi stock c'est un druide? Hey, je te rappelle, il y a comment il s'appelle l'autre là dans Baldur's Gate 3, le druide. Will? Bah Non, Will, j'ai plus j'ai pas l'elfe mal. druide. Le J'ai pas mal Baldur's gigastock. Gate 3. Ah putain, lui. Oui, celui qui peut se transformer en ours là. Oui. Tu sais que Baldur's Alzin. Gate 3, j'étais très mauvais exemple. Hein. J'ai pas beaucoup joué au jeu. Putain, Je le jeu l'ai. PSP, qu'est-ce qu'il y Je dois avoir avait? peut-être J'en sais 70 heures de jeu rien. dessus, mais j'ai jamais passé le. Vas-y, tu sais quoi? J'ai jamais passé le début. Enfin, le premier chapitre. Parce qu'en fait, à force de recommencer à chaque fois une partie, vu que je recommence des trucs à zéro,
J'arrive jamais à avancer avec ma partie principale où je joue mon paladin. Je vais en prendre un au hasard avec donjon dedans. Il y a des donjons, Oh il y a putain, c'est un jeu de ce genre. des Un time machine role-playing. Mais... infernal. Oh mais au secours. Un jeu mobile sur PSP. Pas moi. Tiens, on va essayer Puzzle. Puzzle et Dragon X, tiens. Non. Ça aurait été quelque chose. J'en sais fiche trop rien, moi. Comment ça pourrait s'appeler? Allez, ah bah non. Allez, tiens, on va prendre ça. Qu'est-ce que j'en ai, franchement. Ah, y avait... ah, c'était Puzzle Quest, Challenge of the Warlords. J'avais Puzzle déjà dans mon titre. Pour moi, c'est une victoire pour quelque chose que je ne connaissais pas. Moi j'avais le quest, j'ai dit Puzzle Oh! Quest. On l'a eu, celui-là, la dernière fois, je crois. Attends, c'était pas. Non, je sais Oh plus. putain oui. Ah putain, je sais plus. C'était pas. Non, c'était pas. Mais putain, c'est fait pour te connaître. C'est Comment? Uncharted 3, c'est Drake's Fortune. Ah, bah c'est pour ça que je reconnaissais pas, parce que je connais pas et j'ai jamais joué à Uncharted. Eh ben t'as tort, il faut. Ils sont bien. D'ailleurs, c'est les premiers trucs que je veux faire sur ma Et là, chaîne c'est pas le YouTube. 3. Si, Drake's Fortune. Drake's Deception. C'est Uncharted 3. Attends. Attends, bah Drake's Fortune, c'est le 2 alors. J'ai inversé le... J'ai inversé le 2 et le 3? Among Thief. Non. Non, mon kiff, c'est le 4, c'est Drake's Fortune, celui-là. Alors, attends, il y a peut-être plusieurs 3. Ah oui, d'accord. D'accord, ok, c'est bon. Alors, Drake's Fortune, ça doit être... Bah non, c'est pas le premier, je crois. Si. Voilà, ça Non, ça doit être c'est ah, ça ressemble beaucoup au jeu où tu gravis avec le marteau dans ton chaudron là. Ah oui, putain, en... Ouais, putain, Graphiquement ah, j'ai parlant, oublié le il nom du ressemble jeu. beaucoup, mais Bon, ça, c'est clairement un truc de... Non, on dirait plus une cinématique, ce truc. ~83% sur Metacritic. Parce que t'as des trucs et puis d'un coup t'es une mèche qui a rien à voir. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on devine là-dessus? Je sais pas. Ah. Hey Geoff? C'est le ça. Hein? Ah c'est le ça. Eh bah bingo, hey Geoff. Ouais, sacré cinématique. Salut The Eyes, comment il va? Golden Golden arrive. arrive, cool. Des bulles, des bulles, des bulles! Allez, tu sais quoi? Hop, j'y crois pas, mais sport! Je tape si je veux. Ouais, grave. Alors là, j'ai reconnu les bulles. J'ai reconnu les bulles. Ah putain. Niveau de déficience mentale, au secours. mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est pas. Merde, comment il s'appelle le jeu à la con, là, en Russie utopique, là, Atomic Earth? Atomic Earth. Eh bah bingo. On a reconnu. À la voiture, parce que c'est une putain de Lada. J'ai toujours pas terminé, je l'ai, mais je l'ai pas terminé. Ça a l'air chelou. En fait, le jeu se base dans une URSS qui a gagné la Seconde Guerre mondiale et il y a un mec qui a découvert un nouvel alliage, un genre de néoplastique bizarre, et il s'en sert pour faire de la robotique. Et donc, en fait, toute l'URSS, elle a vachement évolué dans le sens ultra-robotique, IA et tout, sauf qu'on est genre en 85. Et c'est vraiment. C'est super intéressant, mais le problème, c'est que ça part très vite en couille, justement, parce que les IA. Un soleil. Je peux la tenter au bluff avec un truc. Vas-y, j'allais tenter autre chose. Monster Hunter World. Hey. Salut! Salut. Salut. Salut, Monster comment ça va? Hunter World. C'est doucement quoi, j'ai une journée un peu de merde au travail, mais ça va. C'est pas Monster Hunter World. L'impression d'entendre ce jeu à chaque fois dans tes devinages de Skyrim. 34% sur Metacritic, il a pas été très bon apparemment ce jeu. Comment ils vont, KB Roger, du coup? Ça va, j'ai pas une très bonne journée au travail, mais c'est tout quoi. Bon, en espérant que ça se passe mieux ce soir pendant le JDR. Bon, faut voir. Bon, un jeu pas ouf. Moi, ça va très bien, je mange des manouilles au carbonara, ça fait du bien. C'est bon ça. J'ai bouffé une pizza au fromage. Donc 4 fromages, 5 fromages? 6. 6 fromages? Oh, ça Ouais. c'est bon ça. Petit 7. Oui. Bah, la pizza qui a le plus fromage au monde, c'est une pizza australienne. Il y a plus de 150 fromages, je crois, dessus. Comme les Pokémon. C'est ça. Faut les Ah attraper putain. tous en même temps là. Me demande si ça serait pas lié à un autre jeu que j'aime beaucoup, mais je me souviens C'est fou plus ça. du titre du On jeu dit que une j'aime. pizza 150 fromages et des pizzas ananas quoi. Très bien, Ouais, très bon les respecte les pizzas pizzas ananas, ananas. c'est bâtard. Respecte les pizzas hawaïennes, c'est enculé. Dégueulasse. Bon bah écoute, Brutus J'attendais pas meurt ce et puis. soutien. Ah salut le Goldou! Oh, pardon, alors. Un pizzaïolo lyonnais bat un record du monde avec sa pizza au milliard de fromages. Oh putain! Benoît Bruel, pizzaïolo lyonnais, a établi un nouveau record du monde dimanche 8 octobre 2023 en confectionnant une pizza avec 1001 fromages différents. Le restaurateur a ainsi battu le précédent record établi en 2021 de 834 fromages. Je suis désolé, mais la pizza, elle doit faire la taille du. Elle doit faire la taille de la putain de cathédrale Attends, Notre-Dame. c'est Baldur's Ça va pas Gate. bon faire une pizza avec autant de fromage si à la fin elle est plus mangeable tellement il y a du fromage dessus. Mais non, ça va pas de Ouais, Baldur's Gate. j'aimerais bien voir la gueule qu'elle a, la pizza Elle milliard de doit être en fromage. mode tuez-moi! Ou alors t'as genre un Tuez-moi. centimètre de fromage par Non, c'est ça, sur la grosse la pizza. pizza doit être épaisse. Ça me fait penser au. 35 pourtant. Ah non, Ça me je fait veux dire penser au jeu un Flash. centimètre carré de fromage, tu sais, c'est genre c'est tout réparti, du coup t'as pas de fromage quoi. Ils Godfall sont peut-être. techniquement là, mais c'est tout quoi. Le jeu C'est pas une Flash pizza, c'est une où putain tu de faisais pizza. des burgers aussi et tu mettais que de la mayonnaise par-dessus. Ah, les. Oh. Comment ça s'appelle les pizzas super épaisses là, les deep dish là, c'est plus ou moins des quiches. Comment tu La disais, quiche. Golden? Godfall en un mot. Ah, Plus de Godfall. 34%, PS4, PS5, machin, et le jeu il a pas l'air. Non, il y est Moi j'ai la pas. figure. Il y est même pas. Godflash, il a écrit. Oh là là. Non, Non, mais Godfall. après j'ai Pas écrit Godflash. Godfall. Après il y a peut-être un S à God. Godfall. Mais non, on a un mot, j'ai dit. Ah, en un mot. Attends, bah en un mot. Ah, On voilà. n'écoute pas la Belgique. Non, on n'écoute pas la Belgique. Bah, la Belgique a eu tort. Et en voyant la Ouais, gueule, je j'ai comprends posté une pourquoi image c'était de la pizza 34%. au mille et un fromage sur Ennis. Oh la vache! J'appelle ça j'appelle ça un chapeau melon, hein. Attends. Wow!
Bonjour monsieur ou madame, je ne sais quoi. Ah, c'est pas l'autre. Une petite patate avec votre cholestérol. C'est pas l'autre nain là qui est sorti au tout début. Je sais plus comment ça s'appelle. Le nain qui est sorti au tout début, voilà. Tu sais, l'autre. Enfin, quand je dis l'autre, c'est le Lord of the Ring. Le gouffre de Helm. Le Seigneur des Anneaux. Ouais, voilà, gouffre de Helm. Je pense pas que ce soit le truc début. Avec Gollum, mais je vois de quel autre jeu tu parles. Tiens, c'est Gollum. Hello. Il a eu bon, c'était le jeu Gollum. Sérieux? Oui. Oh. Regarde, quand tu vois ça, ça ne peut être que Gollum. Attends, essaie de choper l'image. Envoie-moi l'image que je puisse la utiliser pour faire des emotes. Oh, attends, je la mets dans Enis. Il nous l'a envoyé. Effectivement. Qu'est-ce qu'il était moche ce jeu, putain. Il y a du potentiel. Il est sorti en 2023, hein, on rappelle. Merci Lucky pour l'abonnement. Oh les yeux. Ce jeu a tellement bidé, foiré et merdé que le studio qui l'a fait a dit on arrête complètement les jeux vidéo, on fait une reconversion totale. Oh putain. Et à l'heure actuelle, le studio, donc Deadly Entertainment, n'existe plus. Il a mis ils n'ont pas aussi fait une excuse faite par IA aussi. Non, au début, tu sais qu'il avait sorti trop tôt. Ah non, c'est pas Cyber. Je sais plus si c'est eux ou Cyberpunk qui ont fait une excuse par IA où ils ont demandé à une IA de faire leur lettre d'excuse. Ah non, si c'est eux. Ah bah voilà. Non, Cyberpunk, ils ont eu la décence de dire on a sorti le jeu trop tôt, désolé, on a merdé. Bah c'est parce qu'en fait eux, ils avaient surtout par rapport. Non, je sais pas, moi je tente des trucs. Ivanova, putain, ça me dit quelque chose. Ivanova, c'est des projets, c'est pas comme Rockstar, etc. Quoi. C'est qu'ils devaient le sortir parce qu'ils avaient. Halo 2 ou Halo 3 Xbox et PS3, donc c'est pas. PS3, il n'y aura pas eu Halo. Ah, ouais, PS3, ouais. Parce que Ivanova, moi le. C'est Alien. Alien. Mais pas Alien Isolation. Non, Alien Colonial Marine ou Alien versus Predator. Allez, on va essayer versus Predator. Non. You two are the only ones I can trust with the disinformation. Oh putain, l'armure me tient un truc. Moi aussi, ouais, je me dis mais non. Est-ce que c'est Vanquish? Ouais, ce que j'allais dire, c'est pas Vanquish ouais, par hasard. Pour Vanquish. Alors comment ça s'écrit ça, comment ça s'écrit? V-A-N. Vanquish, elle est plus fine, ça. V-A-N-Q. Et normalement, je pense pas que c'est Vanquish. Mais voilà. Trop fort. J'ai jamais joué au jeu, mais je reconnais. Ouais, mais là, c'est Ivanova, mais c'est un jeu que j'avais joué, donc là, c'est pour ça. Le gameplay a l'air excellent. Oui. Ah ouais, c'était l'époque où on commençait à faire des glissades dans des FPS et à avoir des... C'est 2010, ce jeu. Le jeu est incroyable parce que, dans le sens, on dirait vraiment, c'était le mélange parfait entre Revengeance et Crysis. C'est vraiment le Dino Crysis, c'est vraiment le truc qui était incroyable. 2010, il est super beau, quoi. Plus un beau petit que dernier pour la route et puis on se mettra ensuite sur le gilet. Plus beau que Gollum 13 ans avant, quoi. C'est dingue, hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça. Helldiver a cassé pas mal de trucs aussi, je pense. Hein. Parce que Gollum, il est sorti. Bonjour, nous sommes Aros Studio, nous venons de nulle part. Bonjour. Je suis pilote. Pourquoi le jeu il a foiré? Bah, parce qu'on attendait 5000 joueurs, on en a eu 2 millions. Putain, mais ça me parle, mais c'est quoi ça? Pas Metal Gear 2 ou 3. Non, non, du mec, mais j'ai pensé mais à 70% pour Metal Gear, ça me semble. Non, non, c'est pas un Metal Gear. C'est pas un Metal Gear. PS2. Metal Gear. Killzone? Non. Ouais, non. Si ça peut être Killzone. J'y crois pas trop, mais c'est Killzone. J'ai l'impression que les images sont pas les mêmes. On n'avait pas eu ça la dernière fois quand on avait eu Killzone. Ouais, mais c'est, pas eu le même. Killzone. C'est un autre Killzone qu'on avait eu. Ah là, putain, au fusil, je l'aurais reconnu. Parce que la V30, ouais. Ah putain, les souvenirs. C'est le premier Killzone. Dire comment mon premier Killzone c'est celui sur PS. Là, je l'aurais vraiment reconnu Killzone à partir de cette image là. Oh la vache. Toute mon enfance.
Le nazisme. En 2004. Moi, mon enfance, c'était Black Ops. Ah bah, on n'a pas les mêmes valeurs. Hein. Ouais. Mon enfance, c'était Double Dragon. Ah. Double Dragon sur Nintendo. En vrai, j'ai tellement de jeux pour qui prend en compte mon enfance. Ah, j'avais joué à Double Dragon 2 sur Super NES. Le premier jeu auquel j'ai joué, c'est mon jeu préféré encore à l'heure actuelle, c'est Uncharted 2 sur PS3. Oh, le jeune. Moi, j'ai joué au premier Rayman. Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que j'avais d'autres consoles plus vieilles, mais c'est le premier jeu auquel j'ai joué parce que c'est chez ma nounou. Tu sais, le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Modern Warfare 3 et Uncharted 2. Hein. Le temps que tout le monde se connecte, je vais aller ranger ma vaisselle. Le premier jeu auquel j'ai joué, je crois que c'était Spyro. Elle a dit... J'ai eu Rayman et les lapins crétins sur Wii. Vas-y, je crois que mon premier jeu, je sais plus si c'est Rayman ou Prince of Persia, mais le premier Prince of Persia, celui en 2D, chronométré, ultra dur, j'ai jamais passé le troisième écran. Non, moi, mes deux premiers jeux qui étaient vraiment à moi, que j'ai joué pas chez d'autres autres, ça a été Pokémon Platine sur Nintendo DS, et toujours sur Nintendo DS, alors là, si vous connaissez, Combat de géants dinosaures. Je connais le nom. Qui était de la gamme des combats de géants dragons, combats de géants sur DS. Il y en a 20. Ouais. J'ai joué aussi. Je crois que c'est le premier jeu que je peux officiellement. Enfin, que je peux dire que j'ai platiné. Parce que tu pouvais, une fois que tu avais vraiment terminé le jeu à 100%, tu avais les armures en or sur ton dinosaure. Mais le problème, c'est qu'il fallait refaire le jeu à chaque fois pour avoir les armures sur chaque dinosaure. Et au total, tu avais 32 dinosaures, un truc du genre. Et je l'ai fait sur tous. Enculé. J'avais les armures en or sur tous. Enculé. Sachant que pour l'avoir, fallait faire le bonus stage où tu tapais tous les boss. Dont les boss alternatifs, genre t'avais un char, une cabine téléphonique, t'avais une putain de bagnole, un tractopelle, une moissonneuse batteuse. Il me vient une question. T'as quel âge déjà, Harper? J'ai 23 ans. Je vais sur mes 24 cette année d'ici 2 mois, 3 mois. Lucky, rappelle-moi, t'as 14 ans plus combien déjà? Pourquoi on compte à partir de 14 ans? Parce que Lucky, on l'a connu quand il avait 14 ans, donc dans notre tête, il a toujours 14 ans, mais alors il a déjà passé les 24 et tout le bordel. Il était pas 25 gens, moi, non, j'ai passé. J'ai 26. Oh putain. En fait, ça me fait encore plus de mal de trouver des gens plus jeunes que Lucky. C'est vrai. Oh merde. Calvissi en témoigne, Ren, tu es vieux. Je crois que t'es plus vieux que moi, Ren. Bah oui, je pense. Oui. Il a 150 ans. Oh putain. Calvissie précoce égale éjaculation féroce. Ça se voit, ça, calvissie. C'était un liche, un grand liche. Loupi venir en vocal juste pour dire les bébés. Oh, le bébou. Elle fait ce qu'elle veut, si elle a envie de le dire, il le vient. Ouais, viens si tu veux, juste pour le bébé. Je suis vieux. Je vais l'enregistrer aussi, cette image de Gaulle. Je suis vieux. Tac. En vrai. Ouais. D'ailleurs, putain, là, je suis en train de rentrer de... Je suis en train de reposer ma Switch. Et je suis en train de penser au fait que... Coscar m'a offert... Dark Souls sur Switch. Je sais pas si c'est optimisé, mais bonne chance. Je sais pas si c'est un beau cadeau. Hein. Moi, je vais imaginer Dark Souls sur Wii, mais avec le. Oh putain, avec la manette. Vas-y, fais une vraie roulade pour esquiver l'attaque de l'hiver. Oh putain. En vrai, j'ai plutôt déjà bien avancé, sachant que je l'ai déjà terminé sur PC, Dark Souls. Et je le refais sur Switch parce que fuck. C'est très marrant. C'est toujours aussi marrant. Aïe, aïe, aïe. J'ai coupé mes cheveux. Voilà. Alors, on commence. Ouais, bah vu que t'as l'air si enjoué à commencer, je t'en prie. Le résumé. Le dessert. Le dessert.
Alors, dans l'épisode précédent, nous étions toujours sur la ville capitale, là où il y a la reine des Volariens. On y était retourné car on avait eu une info comme quoi un lézard vêtu ou qui était de couleur. C'était vêtu ou Un couleur masque vert? avec un masque blanc. Voilà, c'était vert Les ordres pas vêtus masque avec un blanc. masque en céramique. Et on était revenu sur. Alors, comme je vous le dis, sur Ardril, la capitale avec la reine des Volariens. Et on cherchait des informations dans le bar de la reine pour essayer de retrouver ce lézard qui aurait été potentiellement le magicien qui aurait contrôlé tous ceux qui gagnaient la reine, donc les Volariens en particulier. Une fois qu'on a cherché des infos, on a trouvé sa position, ou la position où il aurait pu être dans ce fameux bar. On l'a suivi, enfin surtout Myrtille au départ l'a suivi. Moi j'ai attendu sur un banc. je sais plus ce que faisait Nakai de son côté, je crois qu'il était allé chercher quelque part. Je T'étais sais allé plus. au restaurant de ton frère, je crois, et il t'a rejoint Ouais, je là-bas. pense que ça doit être ça. Ouais. Et donc il est allé au restaurant du frère de Nakai. Une fois arrivé là-bas, les tensions sont montées. Et le prince aussi des Volariens qui était dans cette ruelle ici, qui avait l'air d'être d'agir bizarrement, je lui parlais et il parlait comme s'il parlait à quelqu'un dans le vide, comme s'il regardait dans le vide en même temps, c'était assez bizarre. Et d'un coup a été contrôlé mentalement par ce Volarien même. Et il s'est mis à m'attaquer, ainsi que d'autres amis qui essayaient d'attaquer, mais en fait il s'est focus sur moi. On a réussi à le maîtriser, à l'attacher sur un poteau, grâce à Myrtille. Nakai, lui, a réussi à gérer les gens qui étaient dans le bar. Donc, il y avait aussi son chien. Il a fait coucher le chien, il a miaulé. Il a fait miaou! Miaou! Et son frère aussi a essayé de lui mettre une patate, il a regardé, il a fait non, mais en fait, je vais faire demi-tour. Et le magicien a fini par être. Mise à terre et nous l'avons arrêté grâce, enfin nous l'avons arrêté avec le prince quand il a repris ses esprits. Et il a été envoyé, j'imagine, en prison, etc. Et on était arrivé là à la fin de cette séquence comment dire, le magicien a été enfin trouvé et arrêté. Il a Et nous nous été. réunissions juste après. Il est arrêté et sera jugé par la royauté. Merci, c'est fait pas de patte la tête. Voilà. Le roi, pas pour le prince. Pour avoir rendu l'épée. Elle a rendu l'épée. Voilà, et on en était arrivé là, du coup, à la fin de cette séquence où on avait réussi à arrêter le malfrat, le méchant pas gentil. Le fils de pute. Il disait que l'honneur n'était pas le vrai honneur que les Volariens devraient montrer, Oui, comme quoi peut-être abuser le des fils du animaux dans roi. l'arène était une honte. C'est vrai qu'en même temps, ils avaient En l'air pas très soi, bien nourris, ces animaux. il marquait un point là-dessus, mais C'était pas une raison pour tuer des gens. Après, mais bah, Nakai tuer ne des l'avouera animaux, c'est une pas. raison aussi. C'est là où le C'est vrai que cercle de la Nakai, vie c'est arrive, ça. hein. C'est ça, mais là ne nous regarde pas, ce ne sont pas nos habitudes. Enfin, ce n'est pas les vôtres déjà, donc Mais ce n'est d'ailleurs, pas moi, vos par rien. rapport à la reine, j'ai des doutes par rapport aux chimères, hein. Je me demande s'ils font pas exprès de créer des chimères Non, exprès là, pour. je pense que là, pour les chimères, on peut savoir, je ne crois pas qu'ils les créent exprès. Parce Bah, que on peut c'est pas quand même vraiment créer de un. chimères exprès. On peut Ça. mettre beaucoup de corps à un endroit en espérant qu'ils deviennent des chimères, mais c'est tout, quoi. Bah oui, mais c'est un pays entier. Il existe bien Tu des crois qu'un procédés gouvernement pour secret ne augmenter serait les pas chances capable de de faire ça? création de chimères, mais en soi, Volaris n'est pas connu C'est pour facile, créer hein. des chimères pour la reine. Généralement, il préfère juste les chasser Les eux-mêmes, capturer. puis en Les plus capturer. les arènes, genre imagine le nombre de morts qu'il y a eu dans l'arène, c'est assez facile d'avoir autant de cadavres. Bah, pas comme ça, en fait. Donc rien ne dit qu'ils aient profité de ce même système pour créer des chimères. Enfin bref, moi j'ai des doutes sur la véracité de l'arène, quoi. Hérétique.
Y a rien Non, qui sur le fait que ça soit vraiment honorable, le gars a quand même soulevé des bons points, quoi. On se C'est demande pas si un c'est vraiment hérétique, c'est un honorable. touriste. Ben non, c'est un gars qui est du même pays. Ah, il parle de toi. Je parle de toi. Ah, moi, ouais. Ouais. C'est un touriste. Ah oui, je suis un touriste. Hop là. Et voilà. Bien. Voilà ce que pense Brutus. Après tous ces toutes ces aventures, pardon, quels sont vos projets? Moi, retrouver le bateau des connards qui m'ont piqué la recette. C'est vrai qu'il y a ça. Bah, Après, il y a ça. vous avez été témoin de ce qu'ils sont devenus. Ben, Ils se sont fait ils sont couler morts, non? Ils ont avec la kaboum. recette. Ah oui, Oui, c'est vrai, ils ont fait boum. on les a Bande vus de cons. exploser, oui. C'est Non, vrai, putain, j'ai alors, oublié. ce qu'on a à faire, déjà, entre autres, c'est bah, ramener Massias à son père, peut-être. C'est vrai, Battle Et of puis, the Libre. bah, c'est ça. Et puis, avec un peu de chance, vu que son père c'est un chef de frégate, bon, après, il a peut-être été grade entre-temps, mais Et aller il voir y a ton père beaucoup aussi pour lui dire que tout va bien aller Ouais, maintenant. alors déjà, il y a ça. Ensuite, aller voir bah, le père de Massias pour lui refiler son gamin. Et avec un peu de chance, il pourrait peut-être nous baisser un peu la prime ou un truc du genre, vu qu'il est dans la loi. C'est un mini Judge Dredd, il pourrait peut-être nous aider un peu là-dessus. Ou alors nous laisser partir sans nous emmerder, vu qu'on lui a rendu son fils. Et je crois aussi bah, que Massias, il nous avait pas donné des infos, Massias, sur où était Alduin. Ouais, voilà, donc on peut aussi donner les infos sur où est Alduin. Peut-être limite aller le tabasser nous-mêmes. Il faut Votre but, retrouver c'est aussi la pas mère de de Nid. tabasser Alduin. Peux me rappeler Non, rapidement qui c'est on doit Baldwin faire déjà, quoi j'ai avec un peu Alduin oublié. déjà? Il est enfermé en On tôle. peut me rappeler ce qu'on doit lui faire d'ailleurs à Adwin parce que je ne me rappelle plus. La reine du tabassage. Dans l'idée, Alduin était reconnu pour être un des plus grands voleurs d'Oveyron. Ouais. Il avait aussi Ça, je me souviens. tout un équipage et tout le bordel. Sauf que ça fait 10 ans qu'il a disparu Il a mystérieusement, disparu. que personne ne sait ce qu'il est devenu. Et le premier qui vous a donné des nouvelles de lui, c'était Esteban, un homme-chat, Le Discord. un Loen Kaz, qui a dit je faisais partie de son équipage, on s'est fait choper, on a eu des problèmes, faut trouver Massias. Et Massias a fait ouais, Alduin, il est emprisonné. Aux dernières nouvelles. Ah, mais en prison Oui, sur où? la super île de la Mortitude qui est Sur la basée. méga Ah oui, prison voilà, en haut c'est à une petite gauche, île. la prison de Fangels. Fangelsé. Ah, Une c'est une petite île, c'est ça? petite île Petite île volante. tout en haut. Ouais, Petite c'est île ça. volante tout en haut à gauche de la map. Putain, comment on veut Oui, faire bah y aller clairement, pour y aller à pied? on va pas aller risquer notre cul à Chronis pour le faire les délivrer. Sachant qu'il me Bon. semble que c'est la prison, c'est une méga prison Dans of Pays Doom. Libre? Il me semble que c'est une méga prison of Doom. Elle est à Tora? Ou tu parles de la forteresse? La La forteresse. forteresse Fangels. Ah, mais moi je te parle d'aller à Tora pour prendre un avion là-bas et aller sur Fangel. Pas vraiment envie. Bon, on va y aller. Parce que Pourquoi est-ce je qu'on sais pas. irait Pourquoi est-ce qu'on irait aller Pourquoi est-ce qu'on irait le voir le mec? Ben, il nous doit rien, on lui doit rien. On nous a juste demandé des infos sur lui, hein. Information, il est enfermé là-bas. Point. On est payé. Et on Ouais, attends, essaye si surtout quelqu'un de veut qu'on retrouver. le libère. Et surtout, faut Imagine qu'on s'il pourrait essaye de nous donner de retrouver l'argent. la gueule sanglante. Histoire d'éviter que ce soit le merdier sur les océans. La gueule Donc sans la gueule. la mère de Nakai. Ah oui. Mon fils Non. est un meurtrier! Non? Ah. Vos projets seraient donc de retourner dans un premier temps à Oveyron? Oui, d'abord aller voir le père de Nakai et Oui, lui après aller donner à des Oveyron, infos, etc. Et aller à Oveyron retourner mon ensuite. daron. Ah oui, c'est vrai que vous étiez retourné à Ardril, donc le point il est Ouais, pas en mis. avion à partir de Bah oui, de Vorim. toute façon, oui, il faut Vorim, retourner pardon. en avion pour retrouver votre bateau. Vous retrouverez le Padré Ouais. à ce moment-là. C'est ça.
Il lui annonce la nouvelle. Père GPT. Père GPT. Attends quoi? Ah, tant que c'est pas tard. Ok. J'aimerais trop montrer mes on avait là. Dit 2 jours de navion pour retourner jusqu'à machin, retrouver le père, Avorim. Et ramener Massias ensuite à son père qui serait dans les eaux de Perpicis ou Carcaphorienne. Je crois qu'il traîne par là à chaque fois, non? Bah ça dépend, mais vous savez qu'il fait partie de la marine de Sphéris et vous pouvez toujours le retrouver là-bas au pire. Parce que la dernière fois qu'on l'avait croisé, c'était à côté d'Oveyron aussi. Non? Pas très loin, ouais. Donc ouais, il doit tourner dans ces eaux-là à chaque fois. Il doit faire une sorte de patrouille un peu comme ça, là. Comment j'imagine qu'il fait? Bah, si, il doit faire un truc comme ça pour sa patrouille. Ouais. Une sorte de luit un peu bizarre. Ouais, enfin, vous savez que la marine ne se balade pas trop proche d'Oveyron. Ouais, elle se balade autour. Non, pas autour. C'est là où on l'avait trouvé. Ah, si, elle était quand même. Mais moi, il me semble qu'on l'avait elle trouvé était plus par là. Par là-bas, oh, mais c'était vraiment pas autour, non. Mais quand on a laissé le test du bateau qu'on avait rencontré à la marine, on s'était un peu éloigné d'Oveyron. Mm-hmm. On s'était mis entre guillemets dans les eaux internationales pour faire nos tests. Donc c'est pour ça. Ouais, vous étiez à peu près par là, ouais. On était à quelques jours de voyage quand même. Je crois. Je sais plus. Peut-être. Donc, vous reprenez le bateau, direction. Il me semble qu'on avait dit du coup au verrou. Ah, bah putain, mon Discord qui avait planté. Est-ce qu'on changerait pas de salon Discord peut-être? Ouais, c'est chelou à chaque fois. Bah, ça, Discord, ça a encore bugué. Pour moi, ça a planté carrément. Là. Ouais, j'ai pas ressenti de plantage personnellement. Non, mais mon Discord il a freeze. Ah bah là c'est pas le Discord du coup, c'est juste toi. Moi ouais, ouais. Je sais pas, mais tout à l'heure moi, j'avais du bug aussi. D'accord, bon bah j'étais ouais. Le seul, je sais pas. Ah. Direction Oveyron. Ouais. Ok. On en aurait pour un peu moins d'un mois de trajet. Nouvelle année, si? Non? Ah ouais, non, la nouvelle année, vous l'avez déjà faite. Oui. Vous arriverez au printemps. Oh. Et d'entrer dans la nouvelle année, justement. J'ai content, c'est le printemps. Durant ce mois, j'avais encore oublié qu'il y avait Jean-Guy ici. Par contre, il est... Je peux l'en retirer, lui. Ah non, oui, c'est bien ce qui me semblait, il est plus avec vous. Oui, il est parti. Il y a juste Jean-Guy qui a. Il est rentré. Alors. Donc, nous avons Esteban et Macias. Déjà, arrivé sur le navire. J'ai mon Discord qui plante. Là, c'est peut-être toi qui as de la quoi, arrête de télécharger du porno. Voilà, arrête le prompt. Arrivé sur le navire, déjà, Macias et Esteban se regardent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas fini de me couper, là? Désolé, c'est Robocop qui me faisait laguer. Ah ben voilà. Donc, pourquoi t'as Robocop à l'aimer? Macias et Esteban se saluent. Bon, il y a quand même tension, because qui est Kaz. Mais ils sont quand même plus ou moins contents de se retrouver. Il y a une rivalité entre les deux, mais il y a quand même aussi une fraternité... Momosexuelle. Juste fraternité, non, et pas momo.
La romance qui commence. Genre, il y a la poigne de fer à la Rambo avec les muscles. Predator. Ouais, c'est ça, la Predator. Et, mais avec les insultes qui vont avec. Salut, sac à puce. Salut, fils de chien. Il allait dire autre chose. Salut, sac à merde. Sac à pute. Ça commençait par fu aussi. Sac à pute. Sac à pute. Ça tape un peu plus fort quand même là. C'est qu'ils sont vraiment très proches. Ah ouais, putain, t'as grandi, sale clébard. T'es plus un sale gamin parce que bon, il l'a. Espèce de sale chat de gouttière. Faut se dire, c'est que Massias, ça fait 10 ans qu'il est à Volaris, mais il a 25 ans, voilà. C'était un bébé. Bébé, c'était un peur. Bébé! Sucez-moi les couilles. Ok. Mais non, pas ok. Donc les deux discuteront et diront. Enfin, Massias informera Esteban ce qu'il est devenu d'Alduin. Et bon, ils se disent, putain, mais c'est la merde pour le libérer là-bas. Ça va être compliqué. Ils ont l'air ils ont l'air dos au mur, ils savent pas trop quoi faire à ce moment-là. Mais c'est pas nous qu'on va les aider. Hein. Tu m'étonnes. C'est du fric, hein? Tu veux pas du pognon? Pognon. Du pognon. Si tu réclames du pognon, le seul truc que t'auras, c'est des nions. Après, non, j'ai un beau manoir. T'as un putain de manoir. Il avait oublié qu'il avait un manoir lui aussi. Où il fait sa gnôle. Par contre, tu lagouilles, Roger. Quelque chose de sévère. Alors arrête Robocop. Ouais, Non, mais j'ai arrêté. J'ai quitté Steam, mais je sais pas pourquoi ça continue. Attends, je redémarre vite fait le PC carrément, ce sera pas. Vas-y. You are my sunshine. Make me one, James. Ça va être compliqué. Parce que je le sens, Ren, là, je le sens au bout du nez que tu veux nous faire aller dans cette prison de merde. Bien sûr que je veux vous faire aller là-bas. Tu sembles indiquer qu'on va aller dans cette prison, oui. Il y a un bon moyen de nous faire amener en prison, c'est de faire en sorte qu'il y ait une armada de bateaux qui arrive nous arrêter. Hein. Ouais, enfin le but c'est que vous ayez libéré des gens, pas que vous soyez vous-même les prisonniers. Parce que je pourrais pas vous faire sortir si vous êtes prisonnier. Ça peut être un plan, on se fait mettre en prison volontairement. Alors ça aurait été n'importe quelle autre prison, mais pas celle-là. Moi, faut qu'on m'explique un truc. À quel moment on va vouloir aller libérer? Je sais pas, le mec à l'heure actuelle, c'est quand même genre techniquement notre plus grand rival sur les mers, si on le remet dessus. Bah lui, il était pas tant sur... Enfin, il avait beau être sur les mers, il faisait tous les plus gros coups, enfin vraiment les plus gros coups, mais pas que sur les mers. Oui, donc oui, c'est... Bah, il va les faire mais d'un côté... Rival peut-être, mais... Ouais, mais l'avoir dans sa poche, c'est quelque chose. Si on libère de la pire prison de l'univers... Il va avoir une énorme dette à nous régler quand même. Ah, c'est clair. Alors que si on le tue et qu'on prend sa place, il n'y a pas de dette et autres. C'est juste on prend sa place. Et on récupère son pognon. Japan is not convinced. Il n'y a pas de lézard. Attendons le Roger. Et du coup, Ren, je suis censé avoir un troisième animal. Aminal. Putain, je l'avais oublié celui-là.
Ça s'est rangé. Oh putain, c'est vrai qu'on a eu un level up. Attends, c'était quoi mon level Oh up? putain, c'est vrai que j'avais oublié l'autre animal. Putain. Ah, moi j'ai fait le level up sur place. C'est plus rapide. Comment mon. Ah oui, c'est frénésie suprême pour mon level up. Je suis censé avoir un troisième animal. Et du coup, il faudrait que je change aussi... On a 9 progressions, là, c'est ça? Hmm? Je fais juste le compte pour voir si on a bien tous fait... Normalement, vous avez tous fait votre progression, ouais. Ouais, on est tous à 9 de progression. Moi, je suis censé avoir 3 niveaux en maître des bêtes pour un nouvel animal, sauf que j'en ai que 2. Ouais, il y a le troisième qui est arrivé, mais enfin qui est prévu, mais il t'en faudra un autre encore, putain. Non, le quatrième, c'est un level up de stats d'animal. Donc je prendrai juste les stats d'un de mes animaux et je le level upperai. Mais tu sais quoi, si le stat de level up, je vais juste augmenter. Qu'est-ce que j'augmente? Je vais augmenter le dé de tir de mon dragon. Ok. Je vais juste faire ça. Je vais augmenter le dé de tir de mon dragon d'un dé. Ok, ok. Moi, maintenant, je peux faire ça. Pourquoi il vit Salomon? Oui. Moi, maintenant, je peux faire ça. Et bon, 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 bon. Ah bah, du coup, voilà, je sors mon reroll. Il testait ses nouvelles compétences sur Salomon. Il est Salomon est mort, je peux utiliser mon reroll. Tu viens de te faire Nakaïd. Salomon, il fait le. J'encaisse. Salomon, il fait le bruit du tuyau en métal. Le métal pipe. Tu vois, j'encaisse, une blessure. Personne ne parlait, d'un coup vous avez juste entendu hein. D'accord, tu peux taper 3 fois maintenant, d'accord, t'as la méga frénésie en fait. Yeah, non là c'est suprême. Tu dois faire 3 coups là, ta ta ta. C'est ça, c'est la frénésie suprême, ouais. C'est ça, c'est... ouais, ok. Sachez que toujours plus, hein. Sachez que pour mon level up, à force d'avoir étudié le poison de mon petit lézard, de mon petit serpent, je sais mieux soigner. Mmh. Oh bien ça. Je sais plus facilement soigner. C'est cool parce que Brutus, c'est pas comme s'il soignait pas des masses. Mais on avait dit quoi sur ça déjà, Lucky? Il y avait une chance sur deux de nous vomir dessus. On avait dit. Heureux. Il me semble qu'on avait dit que, étant donné que j'ai travaillé la guérison, étant donné que j'ai travaillé sur le poison de l'autre, de ton sapin. Sapin à plumes. Étant donné que j'ai bossé sur son poison, je peux. On avait guéri. Non, on n'avait pas guéri. Oh, je perds mes mots, je suis désolé. On n'avait pas dit plutôt que ça pouvait justifier l'atout guérisseur que tu n'as pas encore pris? Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Mais tu l'as pris guérisseur ou pas? Tu l'as pas pris? Oui, si, je l'ai pris guérisseur, c'était mon level up. Et moi personnellement, mon level up c'est double flingue. Ce qui signifie. Je croyais que t'avais pris une nouvelle bestiole. Non, j'ai 4 niveaux de maître des bêtes. Il a doublé les flingues qu'il a fait. J'ai 4 niveaux de maître des bêtes. Ouais. Et 3 d'entre eux, c'est des bestioles. J'en ai que 2 actuellement. J'ai ah oui, mais j'avais prévu 2 level up sur la prochaine bête en fait. Peut-être il y a des flingues sur des flingues. Donc enfin, non, augmente pas le tir de. 9 jets de tir par tour. Augmente pas le jet de tir de ton dragon du coup. Putain, j'avais mal compris encore. Ok. Du coup, il faut que je change. Super. Quoi qu'il en soit, il va se passer un petit peu moins d'un mois sur le navire. Le voyage se passera plutôt calmement. Si vous voulez faire des interactions, n'hésitez pas. À part me faire casser la gueule, je peux pas faire grand chose. Est-ce qu'elle avait déjà fait un chapeau pour Salomon Myrtille? Non, parce que personne n'aime Salomon.
Eh bien, merci. Elle va faire un chapeau pour Salomon. Le plus beau chapeau. Le plus beau chapeau. Bon, par contre, tu n'auras pas de choix au niveau des coloris, mais c'est tout blanc. Mais c'est un beau chapeau. Et Norville t'aidera. Je viens de me rendre compte, Salomon, c'est un joueur TF2. Il collectionne des chapeaux. Moi, je vais boire et me soulager en même temps. Wait. C'est dégueulasse, ça, monsieur. Mais non, le sœur qui s'appelle Soulagement, voyons. Si elle veut, Myrtille, on peut pratiquer différents coloris. Ah. Et vous commenciez à me faire peur, là, entre l'autre qui vous laisse se soulager et vous qui vouliez pratiquer des trucs. Mais en coloris. Myrtille t'écoute d'une oreille. Si elle a des oreilles. Je sais pas, étant donné que. On doit avoir quelques plantes quand même sur le bateau. On peut pas. À manger quoi. Mais... On a des mandariniers comme dans le OP. Ouais. Non, en vrai. On peut peut-être essayer de. Faire des teintures. Ouais, faire des teintures. Ouais. Ça peut peut-être essayer. Bon, à la base, j'ai pensé à ça avec. Le poison avarié avec des fioles de poison avarié, tu vois, genre avoir du vert. Donc je sais pas quelle couleur est le poison, mais en vrai, si on prend quelques fruits et que le truc c'est que les fruits en général sur ce bateau on va les manger. Ouais. Non. Oui. Oui, mais on peut en utiliser une. Après, si les fruits sont un peu rassis ou pourris ou un truc comme ouais, ça, un voilà. peu par la consommation, récupérer ça, certaines les écraser. Graines puis... Exactement. Voilà, des graines qu'on mange pas. Exactement. Pas, pourquoi? Pour faire de l'alcool? Pour faire de la couleur. Pour faire des teintures. On ne fait pas que de l'alcool avec on des fait fruits. De la couture dans cette maison. Je sais pas, parce que moi, j'étais pas en temps en mode partie sur l'alcool, je sais pas, fait de l'alcool de poisson fermenté, genre du Lokmam, mais à 40 degrés. Yes. Mais en vrai, ouais. Ça peut se faire. Avec les connaissances en couture de Myrtille et les connaissances en nature de. Deux années. Ouais. Ça peut se faire. Fantastique collaboration, il faudra voir ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux construire une bombe tant qu'à faire? Je fais une bombe de la palme. Calme-toi. Non mais bon, je la mets si en la teinture, si la teinture tient sur le fil, mais on peut faire des choses. On peut passer le temps qu'on passe en mer à expérimenter. Ah oui. Et comme ça, oh putain, comme ça tu peux utiliser entravement sur les... sur les ennemis et tu les entraves avec de la teinture rose. Non, non, non.